Alors, je sais pas où on est, mais à mon avis, vu le climat et la végétation, on n'est pas loin d'Angoulême ou un truc comme ça. Hein? Non? LOL. J'aime bien faire tout en grand, mais tout ce qu'ils font c'est toujours grand, c'est toujours plus gros, plus grand, c'est incroyable. Allô, des grands arbres, des grosses voitures, des grosses télécommandes, des gros panneaux, des gros garages, des gros numéros de maison et des baraques pas trop mal aussi. Un match de NBA. Il y a Kobe Bryant qui met des dunks, Gasol qui met des dunks, Zinedine Zidane qui met des dunks. Bon, on a perdu. Enfin, je dis on. Nous les Los Angeles. Alors ici on est où? On est dans un magasin américain. On va découvrir ensemble toute la culture américaine et les bons produits du terroir. Allez, c'est parti! Non, ce n'est pas du pâté pour chien. C'est du jambon pour les humains. Les 4 litres de jus d'orange, très typique. Ou les 4 litres de jus d'orange périmé. Et non, ceci n'est pas un pot de peinture, mais de la margarine américaine. Aussi à l'aise sur tartine que dans la poêle et sans acrylique. Tu peux être vénère dans un supermarché avec un ballon comme ça. C'est possible. Oh, putain! Je vais à la maison de Tom Cruise, l'acteur américain. Et je suis un peu en stress parce que j'ai peur qu'il y ait les gardiens et les chiens de traîneau qui viennent me manger. Ok, un homme arrive. Un homme arrive? Ouais. Tu penses? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir. Oui, bonjour, ce serait pour rencontrer Tom Cruise. Norman. On a des cookies. Bon. Ok, bah apparemment ça a l'air d'être difficile de rencontrer Tom Cruise. J'ai peut-être une autre solution pour rencontrer des stars. George Lucas, Madonna, Will Smith, Michael Jackson, David Guetta, Michel Blanc. Comme les stars, c'est pas des vrais, les gens ils prennent des photos d'extrêmement près. Wow, c'est pas une statue, mec. Attends. Ça fait mal, hein? Ici on est au club de patins roulettes de Los Angeles. Alors si vous aimez écouter du disco, rire entre amis et puis également rider un peu sur un parquet parfaitement lisse, c'est possible et tout en même temps. Allez, je vais rider, ouais! De toute façon moi à la base je suis plus tout ce qui est trottinette. Cet après-midi, on est allé à Hollywood pour visiter les studios de cinéma. Malheureusement, on n'a pas le droit de filmer, donc on a fait des photos. Même dans le parking, la barrière ressemble à un club de cinéma. C'est assez énorme. Bon, sur la fontaine, j'ai pas pu m'empêcher de faire un 3-6 flip en skate, mais sans skate. Ça, c'est le banc de Tom Hanks dans le film Forrest Gump. Je me suis assis dessus et ça m'a rien fait de spécial. Alors, on a fait le stage 4, le stage 5. Ça, c'est le stage 18. Il était vraiment sympa. Là, derrière ce décor, il est en train de se filmer une scène de malade d'un gros film américain à gros budget. Mais du coup, on est resté derrière.
à admirer l'arrière du décor. On a même vu le château d'eau de cette marque typique qu'on n'a pas cité. Évidemment, pour la visite guidée, on avait des petites oreillettes plutôt ringardes. Là, c'est le moment de la visite où j'étais carrément content. Et puis à la fin, il y avait même une grande rue avec marqué Hollywood au loin. Alors on a pris une photo, et puis on est parti. C'est très 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 beau. Avis aux amateurs de vue. Et pour la petite info, Los Angeles, c'est 12 fois la taille de Paris. Ça, c'est une info à sortir avec une petite saucisse cocktail, en apéro, l'air de rien. Bon, calmez-vous les gars, moi aussi je vais faire un holly. Ça va. Et voilà, c'est ici sur la plage de Venice Beach à Los Angeles que se termine mon tour du monde, cette fabuleuse aventure. Salut Nico. Merci à tous d'avoir suivi les vidéos, c'était pour moi fantastique. Vraiment un très beau parcours. J'espère qu'on se retrouvera bientôt à Paris. D'ailleurs, il faut que je rentre d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre.